Salut à toutes et à tous, on dirait que le Santiago Bernabéu n'a été construit que pour accueillir ce match. Bienvenue à Madrid, dans un instant c'est le Classico Real Barça. À ma droite, il est en PLS, Omar Da Fonseca. Mais non, je ne suis pas en PLS, je regarde, je goûte, je sens, je ressens toute cette fabuleuse ambiance. C'est ça le football, c'est ressentir des émotions. Et ces émotions, on va les ressentir parce qu'on va vivre tous ensemble, sans doute le plus grand match du monde. Alors on va scruter sa performance de près, mais on peut s'attendre quand même à un gros match de sa part. Sa grande qualité, c'est son aptitude à passer ses adversaires en vitesse. Pas besoin de beaucoup d'espace, juste un petit coup de souris et c'est trop tard. Bip, bip. Du Real Madrid, titulaire dans le but, c'est Kepa, Antonio Rüdiger avec Alaba en défense centrale, Fede Valverde sera accompagné de Toni Kroos au milieu, et pour finir donc, une seule pointe en attaque. Alors voici la composition de Barcelone, dans le but, Ter Stegen, Frankie de Jong sera accompagné de Pedri au milieu de terrain, et enfin devant c'est Robert Lewandowski. Le coup d'envoi de ce match est donné par le Barça. De Jong. Franck Caissier. Et que va faire Lewandowski avec ce ballon? Ah non, ça va pas du tout cette passe. Et bien vu ça, le ballon en profondeur. Ah, c'est reçu, mais il y a des solutions. Ah, le gardien repoussé, attention ce ballon qui traîne. Et finalement, pas de danger. Le ballon pour Rafinha. Et il remporte son duel, bien défendu. Et ça passe par Lewandowski. Attention Robert Lewandowski. Et très bonne intervention du gardien. Petit jeu court, De Jong vers un partenaire. Ah, c'est une balle récupérée très haut sur le terrain. C'est un ballon parfaitement maîtrisé. Le ballon pour Lewandowski. Ouais, la perte de balle de Barcelone. Kroos. Rüdiger. Ballon pour Modric. Kroos. Ouais, c'est bien lui, sa bonne interception. Lewandowski. L'arbitre laisse jouer l'avantage pour le Barça. Robert Lewandowski. Ah là là, la mauvaise passe. Et ça passe par Lewandowski. L'occasion de prendre l'avantage. Et oui, voilà, ça y est, ce match est lancé avec ce premier but dans cette rencontre. On revoit ce but à l'heure Carlos Bianchi au Pipo Inzaghi. Regardez, tout l'art d'être au bon endroit dans le bon moment, c'est ça, le buteur et le bonheur.
C'est reparti, le Real Madrid est mené d'un but, on attend la réaction maintenant. Rodrigo. Et peut-être Vinicius pour reprendre. Et cette tête va directement dans les bras du gardien. Ça manquait de puissance et de conviction. Joue en Cancelo. Et oui, la bonne passe en profondeur. Dommage, quelle occasion gâchée avec ce centre bloqué au premier rideau. Ouais, pressé, c'est ce qu'il faut faire et c'est bien joué. Rafinha dans la surface. Goal ! Le Barça s'échappe. Un vrai but d'attaquant avec ce duel remporté et ensuite la conclusion pleine de lucidité. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Lewandowski. Et ballon récupéré sur cette action avec De Jong. Là, qu'est-ce qu'il va faire ? Franck Caissier. Et ça passe par Lewandowski. Un retour d'une position de hors-jeu signalé par l'assistant. C'est un problème d'appréciation et de synchronisation au moment d'adresser la passe. Bellingham. Ballon pour Modric. Frankie de Jong, et oui, bien placé. La possession qui penche du côté du FC Barcelone, et même si la possession, c'est pas une fin en soi, on voit bien que cette équipe réussit à dominer son adversaire en le privant de ballon. Pas de ballon, pas de danger. Et pourquoi pas une nouvelle situation à venir. Le ballon est rendu. Bon ballon en profondeur. Et hors jeu, l'arbitre qui suit son assistant qui vient de lever son drapeau. Oui, l'appel était pas mal, mais la passe était arrivée un peu tard. Frankie de Jong. De Jong. Ah non, la Pedri qui perd le ballon. Une attaque et le danger se rapproche avec ce centre vers le deuxième poteau et c'est capté là sans trop de problèmes. Le ballon pour Jude Bellingham. Bellingham, bonne intervention du gardien. Très bonne couverture de balle. Bellingham. La projection dans le camp de l'adversaire. Rodrigo avec le ballon. Ouais, super geste défensif sans commettre de faute. Fede Valverde avec le ballon. Ouais, il prend sa chance de loin. Ballon qui est sorti. La remise en jeu pour le Real. Bellingham. Et il remporte son duel. Bien défendu. Pedri. Et l'option de la contre-attaque est possible. Le ballon pour Jude Bellingham. Ah, même le public avait une frappe. Ah, le ballon est contré. Et non, là c'est un hors-jeu.
Et ça y est, l'arbitre qui indique la direction des vestiaires. C'est la fin de la première période. À l'image, Luka Modric, et pour le moment, le Croate peine à nous montrer son talent. La vérité d'un match, tu la trouveras toujours au milieu des terrains. Si tes milieux passent leur match à courir derrière le ballon, tu sais que ça va être très dur. En danger, le Real Madrid, le coup d'envoi de la seconde période. Robert Lewandowski. Et que va faire Lewandowski avec ce ballon? Le ballon pour Lewandowski. Et ça fait donc corner. Le corner. Allez, le ballon sort en touche suite à cette intervention. Aïe, la passe est manquée. Frankie de Jong. Pedri. Oui, il y a faute et un coup franc pour le Barça. Un carton jaune à posteriori, mais carton jaune quand même. Et c'est un changement là pour le Barça. Frankie de Jong avec le ballon. Allez, le ballon récupéré grâce à ce bon tacle. Allez, il faut l'aider, il faut lui proposer des solutions là. Franck Caissier. Allez, duel remporté en défense, belle anticipation. À une bonne contre-attaque peut-être. Vinicius avec le ballon. Et bon arrêt, mais ce n'est pas fini. Et ce ballon est dégagé, c'est bien défendu. Fede Valverde avec le ballon. Ouais, quelle interception, il fallait intervenir. Ouh, Vinicius. Et c'est finalement sans aucun souci pour le gardien. Ah non, c'est récupéré par l'adversaire. Vinicius. Le ballon pour Jude Bellingham. Toni Kroos avec le ballon. Ballon dangereux de Modric. Et le poteau renvoie la balle, c'est pas fini. Et la balle est finalement renvoyée, le gardien s'en saisit tranquillement. Pas mal de réussite sur cette action pour lui. Il semblait battu, mais son poteau est devenu son allié. On a vu le tâtonnage de la balle sur le menton, et puis finalement, rien du tout. Et ça joue sur Vinicius. Et ça passe pas loin du tout. Et le Barça s'apprête à faire un changement. João Cancelo qui est pressé. João Félix. La passe vers Lewandowski. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse.
Oh là là, quelle intervention mal maîtrisée. Et attention, parce que ça peut lui valoir des ennuis. Faute, et donc l'arbitre brandit le carton jaune. Oui, bonne décision. La frappe est bien contrée. Le pressing sur Jules Koundé. Ça joue, dit l'arbitre. Avantage pour le Barça. Et attention, parce que là, l'arbitre intervient et il peut y avoir une exclusion. Et ce carton correspond à une faute commise au début de l'action. C'est bien arbitré. Ah, le contact sans faute. Vinicius avec le ballon. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. João Félix reçoit le ballon. Avantage laissé au Real après cette faute. Kroos. Modric. Le ballon pour Jude Bellingham. Attention, Jude Bellingham. Ah, le ballon traîne, attention. Oh, c'est dedans. Le ballon relâché. Et derrière, ça ne pardonne pas. Goal. La balle est relâchée au deuxième poteau. Et forcément, c'est plus facile pour la mettre au fond. Mais il faut se trouver au bon endroit, au bon moment. Il y a de la chance dans la football. Mais ça, ce n'est pas de la chance, c'est de la précipitation. Deux joueurs là pour le Real Madrid vont être remplacés d'un coup. Et avec ce but, le score est maintenant de 2-1. Plus que 10 minutes à jouer seulement dans cette partie. Ouais, c'est intercepté, ça, bien joué. De Jong. Le danger dans la profondeur. Et la tentative de l'homme. Et c'est au fond, quelle performance! Voilà son troisième but dans ce match. Une efficacité redoutable et un sens du but diabolique. Oui, on revoit l'image. Ce qui est générateur du danger, c'est cette transmission dans la profondeur. Et ensuite, le ballon joué d'une touche légère, aérienne, par-dessus la tête du gardien, c'est la grande classe. Allez, donc pour le score, avec ce but, ça fait 3-1. Il revient provoquer à l'intérieur. Et la frappe part bien. C'est contré par Cancelo. Robert Lewandowski. L'arbitre laisse jouer l'avantage pour le Barça. Et voilà une bonne option de contre-attaque. En bonne position Rafinha. Et le gardien s'illustre bien. Le ballon est joué court,
Non, ça ne passe pas, le ballon est contré. Oui, pour aller provoquer dans l'axe. Interception décisive dans la surface. Ça joue avec Rafinha. Une lutte à la récupération. Oh, c'est manqué! C'est manqué cette grosse occasion. Attendez, parce que là, j'ai un doute. Oui, l'occasion est annulée pour un hors-jeu. Le temps additionnel, 3 minutes minimum selon l'arbitre. Dépossédé du ballon. Faute, mais l'arbitre laisse l'avantage à Barcelone. Le coup de sifflet, finalement, l'arbitre revient à la faute. De Jong. Et voilà la fin du match à l'instant, la défaite du Real Madrid. Pas grand chose à dire sur cette défaite, si ce n'est que l'équipe a été dominée dans tous les secteurs du jeu. Elle n'a pas su répondre aux défis posés par ce match.